Des défenseurs des droits de l'homme ont manifesté devant la cour d'appel de Casablanca au Maroc, où se tenait la première audience du journaliste Souleymane Rayoussouni, poursuivi pour agression sexuelle. Il avait été interpellé le 22 mai de l'année dernière. Cette manifestation est organisée aujourd'hui à l'occasion de la première audience du procès du journaliste Souleymane Rayoussouni. Après 9 mois d'enquête qui ont été très longues pour sa famille, pour nous, après ces 9 mois, il devrait comparaître libre. Mais à peine ouvert, le procès du journaliste a été reporté au 2 mars. Le rédacteur en chef adjoint du quotidien Akbar Al-Yaoum a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.